Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Je suis très heureux de reprendre ces vidéos après la pause estivale et on a évidemment du pain sur la planche compte tenu de la situation politique chaotique du fait de la décision d'Emmanuel Macron de ne pas respecter le résultat des urnes. Je vais aussi vous parler de la sortie d'un livre sur l'extrême droite, c'est ce livre, Extrême droite, la résistible ascension, qui sort ce samedi 6 septembre. Et puis je vous parlerai aussi d'une question de sécurité parce que y a eu des sujets, notamment liés à la sécurité routière, qui ont eu lieu et qui ont occupé l'actualité récemment. Et je voudrais vous donner quelques éléments, quelques pistes de réflexion sur ces sujets-là, parce qu'on entend beaucoup la droite et l'extrême droite sur ces sujets, mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de leur impéricide, le résultat du fait qu'ils n'ont jamais admis qu'il fallait faire de la prévention sur les questions de sécurité routière et qu'ils sont toujours dans une logique répressive. Donc je vous en parlerai un petit peu. On commence donc d'abord par la situation politique et par le fait qu'Emmanuel Macron refuse de reconnaître le résultat des urnes. Alors il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre comment c'est possible qu'on se retrouve dans une telle situation, parce qu'en réalité, il y a des éléments assez évidents qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dissous l'Assemblée nationale? Il faut d'abord commencer par répondre à cette question. C'est assez simple. Il estimait que, compte tenu que dans les élections européennes, la gauche était divisée en 4 forces politiques, elle serait incapable de se rassembler pour l'élection législative et que donc il se retrouverait dans l'essentiel des cas avec des deuxièmes tours où il y aurait d'un côté le Rassemblement national et de l'autre les macronistes, et là il pourrait nous faire il faut sauver la République face au Rassemblement national, et le moyen de sauver la République ce serait donc de voter pour les macronistes, élément qui s'est produit effectivement dans cette élection législative en partie, mais je vais y revenir. Mais en tout cas il voulait limiter le choix à 2 possibilités, Rassemblement national ou macronisme, et terminer la gauche à l'Assemblée nationale. C'était ça l'objectif politique d'Emmanuel Macron avec cette dissolution, avec un pari qui est à l'intérieur de cette dissolution, qui était soit il renforce sa majorité à l'Assemblée nationale, soit il donne une majorité au Rassemblement national par cette dissolution. Et d'ailleurs, M. Macron avait dit que si jamais le Rassemblement national gagnait les élections, même de manière non majoritaire, eh bien, il donnerait le pouvoir à M. Bardella pour l'exercer, pour devenir Premier ministre de la République française. Donc vous voyez, c'était ça son objectif à Emmanuel Macron. Or tout s'est passé d'une manière totalement inversée, puisque d'une part la gauche s'est rassemblée dans le Nouveau Front Populaire, que d'autre part, et ça a été la surprise pour tout le monde, parce que vraiment aucun sondage, zéro sondage n'avait prévu la victoire du Nouveau Front Populaire à l'élection législative. Parce que le résultat issu des urnes au soir du 7 juillet, c'est le résultat exactement inverse de celui qui était prévu par les sondages. Les sondages disaient Rassemblement national en tête, le Rassemblement national est arrivé dernier, en troisième position. Et puis aucun sondage ne donnait le Nouveau Front Populaire gagnant, et pourtant nous sommes arrivés en tête de l'élection législative. Alors c'est ouvert à partir de là une période qui est une période nouvelle, imprévue, ni par Emmanuel Macron, ni par un certain nombre d'acteurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle peut-être ça a pu vous paraître un peu long, parce que nous avons dû nous mettre d'accord sur un nom de Premier ministre, de Première ministre, alors que jusqu'alors, dans les discussions du Nouveau Front Populaire, nous avions dit que ce que nous ferions, c'est que si nous avions une majorité assez large, nous nommerions, ce serait la force politique arrivée en tête à l'intérieur du Nouveau Front Populaire qui choisirait le Premier ministre. Là, on n'était pas dans cette situation-là, on était dans une situation qui était intermédiaire entre une victoire totale avec une majorité absolue et une victoire relative, donc celle que nous avons obtenue, raison pour laquelle ça a mis un petit peu de temps. Mais à partir du moment où le Nouveau Front Populaire a donné le nom de Lucie Castets, en réalité, M. Macron n'a plus rien à dire. M. Macron est président de la République, il est chef de l'État. La Constitution lui demande de nommer le Premier ministre et de nommer à partir du résultat des urnes et des élections législatives. Depuis 1877, dans notre pays, la France, le chef de l'État nomme Premier ministre, nomme chef du gouvernement, la personne qui correspond à la force politique arrivée en tête à l'Assemblée nationale. Pour la petite histoire, c'est déjà arrivé une baston comme ça, c'est arrivé avec Mac Mahon précisément au 19e siècle, et où alors que l'Assemblée nationale avait une majorité républicaine, Mac Mahon, qui était monarchiste, lui voulait nommer un monarchiste à la tête du gouvernement. Et finalement, c'est l'Assemblée nationale qui l'a emporté dans ce rapport de force, avec cette formule très fameuse de Gambetta qui disait le président doit se soumettre ou se démettre. Et aujourd'hui, on ne dit pas autre chose avec l'usage de l'article 68, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc il y a cette nouvelle situation politique imprévue par Emmanuel Macron. Et là commence une période de flottement pour le président de la République. Que faire quand vous ne voulez pas que la gauche accède aux responsabilités et que pourtant la seule solution démocratique logique, c'est de donner la responsabilité de l'exercice du pouvoir à la gauche? Eh bien Macron a trouvé sa solution à lui. Il a d'abord dit qu'il fallait une trêve olympique, Puis après cette trêve olympique, il a décidé qu'il fallait qu'il y ait de la stabilité politique. C'est ça qu'il a dit, qu'il fallait qu'il choisisse un Premier ministre qui permettait une forme de stabilité. Mais tout ça, c'est pas dans les institutions. C'est quoi la règle normalement des institutions? C'est qu'il nomme Premier ministre la force politique arrivée en tête, et qu'ensuite, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Soit l'Assemblée nationale vote la confiance et on exerce le pouvoir, soit l'Assemblée nationale vote la censure du gouvernement et on recommence. M. Macron doit nommer ensuite, logiquement, ce qui se fait dans les démocraties, c'est la deuxième force politique arrivée en tête. Il aurait pu essayer de faire un gouvernement avec un macroniste après avoir essayé avec Lucie Castets. Bref, la logique des institutions, c'est d'abord la force arrivée en tête et ensuite les autres pour former un gouvernement qui est un gouvernement qui passe par d'autres biais, peut-être par une coalition par exemple, mais c'est pas à lui, Monsieur Macron, de décider la censure. Ça, c'est pas démocratique, c'est pas un respect des institutions. Si vous regardez à l'international, ce que les gens sont en train de dire de la France en ce moment, c'est la gauche a gagné les élections. Alors vous aviez des photos de Mélenchon partout sur tous les journaux internationaux, parce que pour tout le monde, quand la gauche gagne, c'est Mélenchon qui gagne. Et nous, on est là en train de tergiverser, en disant ah non, excusez-nous, on est des insoumis, oui, bon, on est la gauche, etc. Vous voyez les complexités dans lesquelles on rentre. Pour la presse internationale, c'est très clair, c'est une victoire de la gauche et à l'intérieur de la gauche, de la force dominante qui a été la force qui a emporté à gauche l'élection présidentielle en 2022, c'est-à-dire la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a pas tous les questionnements qu'on a en France parce qu'il y a une situation bien particulière. À l'international, c'est beaucoup plus lisible. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord à l'international pour dire que M. Macron est en train de faire un coup de force. Certains utilisent la notion de coup d'État institutionnel et que donc on est entré dans une période de turbulence politique extrêmement forte. Monsieur Macron, donc, était persuadé de pouvoir, à un moment donné, trouver une bidouille qui lui permettait de continuer à exercer le pouvoir avec un Premier ministre qui ne serait pas censuré par l'Assemblée nationale. Et, étape après étape, interrogation de parti après interrogation de parti, tentative après tentative avec M. Cazeneuve, M. Bertrand, je ne sais qui qu'il va encore nous inventer, il se rend compte qu'il est très difficile, voire impossible, d'avoir un Premier ministre qui ne subisse pas la censure, soit d'un bord, soit de l'autre, de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Donc M. Macron est dans cette situation exceptionnelle, mais de fermeture. Et le libéralisme dans tous les pays du monde, ce qu'on a constaté, c'est que quand il est en situation de blocage, il a une tendance à aller vers un durcissement de son autoritarisme. On a déjà vécu le mouvement des Gilets jaunes, on a déjà vécu de nombreux mouvements sociaux comme le mouvement de la réforme des retraites, comme les mouvements sociaux après la mort de Nahel, et tous ces mouvements sociaux n'ont obtenu aucune réponse politique autre que celle de la répression. Ça, c'est la logique du libéralisme quand il est en bout de course politique. Où que ce soit dans le monde, tout ce qu'il fait, c'est frapper et frapper plus fort et utiliser des moyens qui sont toujours plus autoritaires. Je vous prends un exemple très concret qui se produit en ce moment. On a donc un gouvernement démissionnaire. Ce gouvernement démissionnaire, nous, députés de l'Assemblée nationale, nous avons un contrôle inférieur sur lui par rapport à d'habitude. Parce que nous ne pouvons pas le censurer, on va essayer quand même peut-être. Si jamais ça continue comme ça, on va essayer de censurer pour voir, ça donne un nouveau fait politique. Il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit de le censurer. Donc on peut peut-être essayer, sauf que l'objet de la censure, c'est de faire démissionner le gouvernement, et là le gouvernement est déjà démissionnaire. Donc en théorie, c'est compliqué, on ne peut pas faire démissionner un gouvernement démissionnaire, mais au moins on peut envoyer un signal politique, et peut-être que c'est ce qu'on va essayer de faire, on est en train de regarder. Donc ça c'est un premier élément. Mais deuxième élément, normalement on est censé poser des questions au gouvernement, l'interroger, lui demander ce qu'il a fait sur ce sujet, lui dire que sur ce sujet-là il est responsable de tel truc et qu'il faudrait qu'il regarde, mais là on ne peut même pas poser de questions au gouvernement. L'outil qui sert à poser des questions sur au gouvernement de l'Assemblée nationale, il n'est pas ouvert, on ne peut pas s'en servir. Donc vous voyez que notre capacité de contrôle, elle est inférieure, et comme notre capacité de contrôle est inférieure, en réalité, le pouvoir d'Emmanuel Macron est supérieur. Parce qu'ils disent que c'est un gouvernement démissionnaire qui gère les affaires courantes. Mais c'est pas vrai du tout. Ils sont en train de préparer le budget de la nation. Le budget. Le budget, c'est précisément le sujet sur lequel on décide des grandes orientations de la nation. Donc vous voyez bien que c'est pas une question légère, tranquille, et qu'au contraire, on est dans une situation d'exception où le président de la République, compte tenu du fait qu'en plus il a un gouvernement démissionnaire, il concentre de plus en plus autour de lui l'essentiel des pouvoirs. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Parce que dans la Constitution de la Ve République, il y a un article, qui est l'article 16 de la Constitution, qui permet au président d'exercer les pleins pouvoirs en cas de situation exceptionnelle, avec des contre-pouvoirs qui sont très limités, puisque le seul truc qui reste, c'est que l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute, que le Conseil constitutionnel donne des avis sur l'usage des pleins pouvoirs par le président de la République, mais que c'est juste consultatif, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel n'a pas la possibilité de dire « bon ben là c'est excessif, le président doit dégager ». Le Conseil constitutionnel, il peut juste dire « là c'est excessif ». Et il reste, si jamais on arrivait dans cette situation-là, il ne reste qu'un seul outil qui est la destitution du président de la République décidée par l'Assemblée nationale avec l'article 68 de la Constitution. J'en viens maintenant du coup à cet article 68 de la Constitution. Pourquoi est-ce que les insoumis ont décidé non seulement bien sûr de faire la censure d'un gouvernement qui ne serait pas celui de Lucie Castets, mais en plus de cela de faire la destitution du président de la République? Parce que on est désormais dans une phase dans laquelle M. Macron assume clairement que son problème, c'est la démocratie. Je vous ai dit, partout, le libéralisme devient de plus en plus autoritaire à mesure qu'il est de moins en moins soutenu politiquement. Là, on est dans le dur de cette situation. Les gens n'en peuvent plus, ils ont besoin d'augmentation de salaire, ils ne veulent pas de la retraite à 64 ans, ils ont envie de revenir sur la réforme des retraites de M. Macron. L'augmentation du SMIC est une nécessité dans notre pays, l'augmentation des minima sociaux également. Et donc, il y a une situation de tension où la société demande de sortir de cette société sans partage dans laquelle les riches ont accumulé la richesse et les autres ont peiné, ont eu des difficultés à boucler les fins de mois. Et comme on arrive dans cette situation de tension autoritaire, bah, d'une certaine manière, le vernis démocratique du libéralisme est en train de s'effondrer. Donc, regardez bien comment ça s'est passé. On a dit qu'on voulait Lucie Castets Première ministre. Et les forces politiques, les unes après les autres, sont venues pour dire « Ah, mais s'il y a un insoumis dans le gouvernement, ça sera sans nous, ça sera la censure directe. » Monsieur Macron, qui pensait qu'il avait trouvé le bon truc pour essayer de nous répondre, a dit « Ben, si jamais j'ai entendu les forces politiques, si jamais il y a un insoumis, le gouvernement tombera, donc je ne peux pas nommer Lucie Castets. » Et là, vous avez peut-être vu ce coup de génie de Jean-Luc Mélenchon qui a dit « Ah bon, et s'il n'y a pas de ministre insoumis dedans, vous faites quoi ?» Et là, on les a obligés à dire vraiment ce qu'ils pensaient. Parce que M. Macron a dit « Non, mais en fait, c'est le programme du Nouveau Front Populaire qui pose un problème. » Ah, alors là, ça devient autre chose. Parce que si vous avez un problème avec le programme, qui pourtant est arrivé en tête à l'élection législative, c'est que donc vous avez un problème avec la démocratie elle-même. Or, un chef de l'État, c'est notre envoyé, hein, d'accord? Il ne doit rien faire d'autre que accomplir la volonté de la souveraineté du peuple. Hein, c'est ça normalement son rôle au chef de l'État. Et en l'occurrence, elle s'est exprimée dans les urnes aux élections législatives et elle a donné une majorité certes relative au Nouveau Front Populaire, donc la volonté d'accomplir un programme qui soit en rupture avec le macronisme et l'accumulation de richesses d'un bout de la société. Donc à partir du moment où c'est le président de la République lui-même qui admet qu'il a un problème démocratique posé avec un programme, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire des censures successives, on doit faire « Ah oui, il nous propose un Premier ministre, non, on n'en veut pas. Un deuxième Premier ministre, non, on n'en veut pas. Un troisième Premier ministre, non, on n'en veut pas. » Et des censures successives. Mais regardez bien ce qui se passerait si on faisait ça. Là, la période qui s'ouvre, c'est la période du budget à l'Assemblée nationale. Ça doit être bouclé normalement à la fin de l'année, c'est-à-dire décembre 2024, il doit y avoir un budget pour la nation. Donc, il y a une pression qui va s'exercer sur les députés et il y a une pression qui va s'exercer au niveau médiatique et politique. C'est « Oh, les irresponsables qui censurent des premiers ministres alors qu'il faut que la France ait un budget ». Et vous voyez comment on va faire entrer la question démocratique de l'expression de la souveraineté du peuple dans une question temporelle, institutionnelle, bureaucratique de « il faut voter le budget de la nation ». Et plus on se rapproche de la fin du mois de décembre, plus la pression va être forte, plus vous allez avoir des gens qui vont dire « quand même, les irresponsables qui font tomber les premiers ministres, etc. etc. » Et cette pression-là, elle peut mener au fait que certains craquent. Et c'est pas très compliqué ceux qui peuvent craquer. Il peut y avoir une partie de l'aile droite du PS qui n'arrête pas de faire la pression sur Olivier Faure pour essayer de trouver un moyen de s'arranger avec Emmanuel Macron et finalement avoir un gouvernement intermédiaire entre le macronisme et le Nouveau Front Populaire. Ça, c'est une première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, qui est quand même la plus vraisemblable à mon avis, c'est que ce soit le Front National qui craque. C'est que ça soit Marine Le Pen qui dise au nom de la stabilité, de l'exercice de blablabla, vous voyez, nous on est des gens sérieux et on n'est pas comme les irresponsables du Nouveau Front Populaire qui eux n'en ont rien à faire, blablabla, parce que Marine Le Pen elle est toujours prête à se coucher devant le capital, vu qu'elle essaye de se faire élire par une partie de la droite et qu'elle a besoin d'être respectable, ne pas mettre le bazar, etc. etc. Elle n'en a rien à faire de la démocratie, Marine Le Pen. Elle, ce qu'elle veut, c'est exercer le pouvoir pour pouvoir continuer à faire la politique macroniste dans une version plus dure et avoir les lauriers, être auréolée des lauriers du capitalisme. Voilà, c'est ça qu'elle essaye de faire, Marine Le Pen. Donc, il y a un moment donné où potentiellement ça peut craquer par ce côté-là. Si ça ne craque pas par un bout, encore pire, c'est-à-dire par le bout des macronistes qui diraient que finalement, bon, bah, l'extrême droite, certes, il y a eu des deuxièmes tours dans lesquels on a essayé de la dégager du pouvoir, mais quand même, il y en a certains, on peut leur parler, ils sont respectables, donc après tout, on pourrait peut-être faire un gouvernement un peu élargi, hein, après tout, pourquoi pas. C'est une possibilité aussi. dans la pression qui peut s'exercer sur il faut un budget, il faut un budget, il faut un budget. Et vous voyez pourquoi il faut avoir les idées bien claires, pourquoi il faut regarder nettement. Parce que si on cède sur une question budgétaire, on cède sur la question centrale. Je rappelle quand même que c'est comme ça qu'est née l'Assemblée nationale. Le roi voulait lever des impôts, il convoque les États généraux se déclarent à l'Assemblée nationale et à partir de là, ils décident que c'est eux qui doivent lever l'impôt. C'est ça la question centrale de la démocratie dans n'importe quel pays, c'est la question du budget, la question de la levée des impôts et la question de qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on a levé sur la base de ces impôts. Donc, cette pression qui va s'exercer sur nous, parce qu'en réalité c'est sur nous que ça va s'exercer le Nouveau Front Populaire en général et en particulier à l'intérieur du Nouveau Front Populaire, les Insoumis, puisque vous savez qu'on nous présente comme les irresponsables, etc., etc. Et donc si nous, on tient une ligne politique qui est celle dont veut l'application d'un programme, qui est précisément le programme dont ne veut pas Emmanuel Macron, la pression, elle est nécessairement beaucoup plus forte sur nous. Donc, utiliser l'article 68 de la Constitution, c'est replacer la question institutionnelle à l'endroit où elle doit être posée. Le problème, c'est pas les insoumis, le Nouveau Front Populaire, je sais pas quoi. Le problème qui est posé à la démocratie, il vient pas de nous. Le problème qui est posé à la démocratie, il vient de l'Élysée. Il y a un responsable politique à l'Élysée qui refuse le résultat des urnes. Il s'appelle Emmanuel Macron, il habite à l'Élysée, c'est lui le responsable politique. Et nous, Assemblée nationale, représentants du peuple français, de la souveraineté du seul souverain qui existe, c'est-à-dire le peuple français, eh bien notre devoir, c'est de dégager le type qui est responsable de l'empêchement d'exercice de la souveraineté du peuple. C'est pas très très compliqué, c'est d'ailleurs pas très très excessif. Vous voyez, les Insoumis, on est présentés comme des gens excessifs. J'ai vu un sondage qui disait que on est les principaux responsables de la violence ou qu'on encourage la violence. Mais enfin, c'est l'inverse. On utilise un outil constitutionnel, démocratique, qui permet de régler un problème démocratique posé par un type qui est à l'Élysée, qui s'accroche au pouvoir comme une moule à son rocher et qui refuse d'entendre le résultat des urnes. Donc vous voyez qu'en posant la question de la destitution, au final, on pose la question démocratique à l'endroit où elle doit être posée. Parce que le problème, il n'est pas à Matignon, ça va pas être, on va les dégager un par un, le problème, il est à l'Élysée. C'est le gars qui est à l'Élysée qui est responsable des problèmes qui sont posés au pays. Donc, cette procédure de destitution, je vous ferai une vidéo spécifique sur le sujet pour vous expliquer pourquoi, un, c'est utile, et deux, pourquoi ça a changé. Parce que je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur l'article 68 en vous disant c'est pas possible de le mettre en place. Oui, mais il y a eu plein de changements avec la nouvelle Assemblée nationale et notamment le fait qu'on a désormais la majorité au bureau de l'Assemblée nationale. Donc je vous ferai une vidéo spécifique à part ou à laquelle je vous renverrai, on sortira ça dans quelques jours, mais simplement sur l'utilité politique et le moment politique autour de cet article 68. Je ne rentre pas dans le détail technique, donc pour la prochaine vidéo. L'utilité politique de cet article 68, je vous l'ai dit, c'est que ça pose la question au bon endroit. Mais en plus de ça, c'est que ça permet la mobilisation populaire autour d'une question assez simple. Pour ou contre Emmanuel Macron, pour ou contre le type qui accapare le pouvoir. C'est assez simple. On a d'ailleurs lancé un site internet qui s'appelle macron-destitution.fr si vous voulez signer la pétition pour la destitution d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes successives dans cette destitution. Ça passe d'abord au bureau, ensuite en commission des lois et ensuite dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais à chaque étape, il y a des gens qui peuvent se dire « Oui, bah, c'est l'instabilité si jamais on vire Emmanuel Macron, je sais pas quoi. » Et donc, en fait, la stabilité prévaut sur la souveraineté populaire. Personne ne peut être d'accord avec ça. Moi, si jamais vous pensez ça, mais relisez des bouquins d'histoire, enfin, secouez-vous, quoi, les amis, parce que tout doit passer derrière la souveraineté du peuple. Rien ne doit passer avant la souveraineté du peuple. Sinon, ça veut dire qu'on admet nous-mêmes que notre pouvoir est limité. Et on ne peut pas être d'accord avec ça. Parce que précisément, notre liberté, c'est d'exercer la totalité de notre pouvoir, et y compris notre pouvoir de citoyen, donc celui de décider de ce qu'on fait de l'avenir de notre pays. Donc, la question, elle se pose à chaque étape et à chacune des forces politiques. Au bureau, ça va se poser au Nouveau Front Populaire. On peut estimer quand même que normalement, on doit être d'accord, vu qu'on a la majorité pour essayer de faire passer cet article 68. Ensuite, ça arrive en commission des lois. Et là, en commission des lois, c'est le Rassemblement national qui est mis face à sa responsabilité. J'ai déjà entendu qu'il y en avait 2 ou 3 qui disaient « Non, on ne va pas voter l'article 68 parce que blablabla, la stabilité. » Bref, exactement ce que je voulais vous dire. Le Rassemblement national fait passer la stabilité avant la souveraineté. Et bien, c'est pas normal, c'est pas une manière. À mon avis, les électeurs du Rassemblement national, c'est pas pour ça qu'ils ont voté. Mais vous voyez bien que la pression politique, elle s'exerce sur l'ensemble du champ politique. Et elle ordonne à chacun, justement, de s'ordonner, de se mettre en ordre, de dire s'il est pour ou contre Emmanuel Macron, pour ou contre le libéralisme, pour ou contre, et à l'inverse, du coup, si on inverse le programme de Lucie Castets, pour ou contre le SMIC à 1 600 €, pour ou contre l'abrogation de la réforme des retraites, pour ou contre la proportionnelle, bref, pour ou contre l'ensemble des questions politiques qui sont contenues dans une élection. Et vous voyez comment cet article 68, il permet de faire une clarification politique. C'est assez simple, ça se divise en deux blocs. Il n'y a pas à chercher très compliqué. Et on voit petit à petit se mettre en place des positions qui symbolisent un bloc bourgeois, un bloc libéral, des gens qui défendent Emmanuel Macron pour défendre la continuité du système. Et puis en face, le bloc social populaire du Nouveau Front Populaire qui défend des mesures en rupture avec le macronisme. Donc c'est ça ce que ça permet l'utilisation de l'article 68. Et encore une fois, je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, donc je vous y renvoie, on la publiera d'ici quelques jours. Voilà en tout cas où on en est dans la situation politique. Cette situation politique ne peut de toute façon se trancher que par la suite des événements qui viendront devant nous. C'est-à-dire que M. Macron va nommer à un moment donné un Premier ministre, ou pas, et continuer à gouverner avec son gouvernement d'exception, ou bien encore pire, utiliser l'article 16 en disant « bah voilà, il faut un budget pour la France, etc. » Tout est dans le champ du possible compte tenu de la personne qu'on a à l'Élysée. Mais en tout cas, notre responsabilité à nous, de citoyens, c'est de suivre et de mettre la pression au bon endroit, c'est-à-dire sur Emmanuel Macron. Et c'est ce que permet donc cet article 68 de la Constitution. Voilà ce que je voulais vous dire déjà sur cette période politique. Et j'enchaîne donc avec la sortie de ce livre, Extrême droite, la résistible ascension. Alors c'est un livre collectif qui parle justement de plusieurs éléments du vote extrême droite et des moyens de combattre l'extrême droite. Ce petit livre-là, je pense que c'est un livre essentiel dans le moment qu'on vit, parce que dans la dernière période qui vient de s'écouler après la dissolution, on a vu qu'il y avait à la fois une force du Rassemblement National, une force électorale du Rassemblement National, qui est d'ailleurs largement en partie surestimée dans le vocabulaire qui est utilisé, parce que si vous allez regarder les chiffres exactement du vote du Rassemblement National, on n'est pas en 11 millions de voix, contrairement à ce qui est dit, on est à 9 millions de voix, donc ça en fait quand même 2 millions de moins, et le Nouveau Front Populaire est très proche en termes de voix. Donc c'est une question de rapport de force et de dynamique. Si le Nouveau Front Populaire parvient à être plus dynamique que l'extrême droite, eh bien le macronisme, la fin du macronisme se terminera par le programme social que défend le Nouveau Front Populaire. Si on est moins dynamique que le Rassemblement National, et bien ce qui se passera, c'est que vous aurez Macron en pire, Macron encore plus raciste, Macron encore plus violent, Macron encore plus brutal, encore plus dur, et vous aurez la version aboutie du libéralisme autoritaire avec Marine Le Pen, d'autant que Macron aura préparé tous les outils. Donc vous voyez, c'est une bataille qui est une bataille d'abord politique, mais qui est aussi une bataille de vie ou de mort pour tout un tas de personnes, parce que l'extrême droite au pouvoir, ça veut dire pour les personnes qui sont racisées, qui n'ont pas le bon genre, qui n'ont pas la bonne orientation sexuelle, etc., etc., ça veut dire des menaces qui pèsent directement sur leur vie, qui pèsent directement sur leur vie physique, c'est-à-dire la possibilité de se faire tuer par l'extrême droite, parce que c'est ce qui se passe dans le monde et c'est ce qui se passe aussi en France, ou la possibilité de devoir partir, d'être chassé de notre patrie. Donc c'est une question de vie ou de mort aussi pour nombre de nos compatriotes, et d'ailleurs pas seulement nos compatriotes, que de remporter cette bataille contre l'extrême droite. Mais pour penser clair, pour combattre clair, il faut penser clair, et donc ce livre est un livre qui est utile pour réfléchir notre rapport à l'extrême droite, pour réfléchir notre combat vis-à-vis de l'extrême droite, les moyens qui sont efficaces de la combattre, et les outils qu'on peut mettre en place peut-être pour faire reculer l'extrême droite et pour faire progresser les idées du Nouveau Front Populaire. Je terminerai par une dernière question, parce que ça a marqué l'actualité politique de ces derniers jours. Il y a eu deux drames qui se sont produits récemment, deux drames qui sont liés à la route, à l'usage de la route. D'abord un refus d'obtempérer qui a mené à la mort d'un gendarme, c'est-à-dire une personne qui conduisait en état d'ivresse et qui a échappé au contrôle de gendarmerie après, a priori, s'être arrêtée. Et puis, il y a eu une jeune fille de 7 ans qui s'est fait tuer dans le cadre d'un rodéo urbain, d'un motard qui roulait en roue arrière et qui donc a tué cette jeune fille. Alors évidemment, la droite et l'extrême droite, comme d'habitude, ils sont allés de leurs propos sur le thème « on n'est pas assez dur », « on n'est pas assez répressif », on n'est pas, il faut, certains ont même proposé le rétablissement de la peine de mort. Voilà en gros les réponses qui ont été apportées par la droite et par l'extrême droite. Ça c'est toujours la même chose, ce que fait la droite et l'extrême droite, c'est se servir d'un drame, parfois sans même avoir un mot de compassion, soit pour la famille des victimes, soit pour les proches, soit pour les amis, le personnel scolaire aussi, parce que quand il y a une petite fillette de 7 ans qui se fait tuer, c'est toute une école généralement qui est en deuil. Et donc ils vont avoir tendance, la droite et l'extrême droite, à utiliser des faits divers comme ça, pour monter en épingle le fait divers et pour porter un programme politique à l'intérieur de ça sans aucun mot de compassion. Et même, j'ai vu des gens comme Aurore Berger qui me critiquaient moi pour avoir fait un message où je disais justement solidarité avec la famille après qu'une fillette se soit faite renverser par un motard. Et ils utilisaient le mot motard pour dire ça n'est pas un motard, c'est un chauffard, c'est un délinquant, etc., etc. Et pour monter en épingle l'usage d'un mot où au final, moi, je ne faisais que reprendre le mot qui était utilisé par les médias. Mais c'est assez révélateur de la manière dont fonctionne l'extrême droite. Nous ne cessons de dire que sur les cas de violences routières, parce que ce sont des violences routières ce qui s'est produit, ce qu'il faut faire, c'est de la prévention. Alors ça peut paraître fleur bleue, ça peut paraître « oh mais vous êtes, comment ils nous disent, vous êtes des bisounours », mais regardez la différence d'analyse de la situation. Réprimer, ça permet de réprimer quelque chose qui s'est déjà produit. C'est-à-dire vous réprimez quelqu'un qui a tué quelqu'un sur la route, c'est normal, ça fait partie des choses légitimes que doit faire la République française, de réprimer quand il y a un acte délictuel ou criminel qui a été commis, mais malheureusement ça ne ramène pas les morts. Et c'est justement ça le problème. C'est ce que nous n'avons cessé de dire à l'Assemblée nationale. Faire autre chose que de la prévention, c'est admettre l'idée qu'il peut se passer des drames et qu'ensuite on punit. Mais ça, ce n'est pas le seul volet de ce qu'on peut faire sur la sécurité routière. Justement, le meilleur volet à activer, c'est celui de la prévention. Une personne qui conduit bourrée, c'est quoi le problème? C'est qu'elle a bu de l'alcool. Une personne qui conduit alcoolisée, le problème, c'est qu'elle s'est alcoolisée et qu'elle prend le volant. C'est donc de la prévention qu'il faut faire sur le sujet. Une personne qui conduit très vite, n'importe comment, comme le collaborateur d'Éric Ciotti, par exemple, qui a été flashé à 175 km/h au lieu de 110 km/h, mais ça, M. Ciotti n'en parlera sans doute pas, eh bien, une personne qui conduit trop vite, c'est qu'elle a un comportement qui est un comportement dangereux pour elle-même et pour les autres sur la route. Donc, c'est de la prévention qu'il faut faire pour éviter que les accidents n'arrivent. Et c'est pas être fleur bleue que de dire qu'il faut faire de la prévention. Parce que la prévention, c'est des moyens, la prévention, c'est de la technique à mettre en place, et c'est justement une grande ambition de la société française que de faire de la prévention sur les questions de sécurité routière. Vous voyez que si on fait de la prévention, par exemple, avec les jeunes qui font des rodéos urbains, bah, s'il y a moins de rodéos urbains, je pense que tout le monde s'en sentira plus content. Et par ailleurs, regardez la forme de mépris qu'ils ont en disant « Ah, mais ça, c'est les habitants des quartiers populaires, ils font des rodéos urbains, et ils mettent tout le monde dans le même sac. » Mais qui est les premières victimes des rodéos urbains? C'est précisément les gens qui habitent dans les quartiers populaires, qui entendent le bruit ou qui parfois peuvent se faire renverser. Donc ça commence vraiment à bien faire, cette manière de mettre tout le monde dans le même sac et justement de ne jamais parler des questions qui sont les questions essentielles, qui sont les questions qui intéressent les gens. Comment on fait pour que ça n'arrive plus? Pas comment on fait pour punir les gens. Comment on fait pour que ça n'arrive plus? Bien sûr, il faut punir, mais comment on fait pour que ça n'arrive plus? Comment on fait pour que ça arrive moins? Comment on fait pour qu'il y ait moins de morts sur la route à cause de l'alcool, à cause de la consommation de stupéfiants ou à cause de la vitesse? Comment on fait? Bah, on fait de la prévention, on travaille, on va voir les gens, on essaye d'être efficace sur ce sujet-là. Je vais vous mettre un autre sujet de réflexion en tête. Pourquoi c'est que des hommes qui font ça? Pourquoi dans la majeure partie des cas, c'est des hommes qui conduisent vite, qui conduisent bourrés ou qui conduisent sous l'effet des stupéfiants? Pourquoi? C'est pas un effet de la société si c'est essentiellement les hommes? Si. Donc ça veut dire que c'est des sujets sur lesquels on peut travailler. Et pour le faire, pour travailler sur ça, encore faut-il le vouloir. Mais c'est pas ce que veut l'extrême droite et la droite. Ils veulent pas. Ils veulent que ça continue, pour pouvoir dire il faut punir plus fort, mais regardez le laxisme, etc. Mais régler les problèmes, ça ne les intéresse pas. Et quand nous, on propose de régler les problèmes avec de la prévention, par exemple, eh ben voilà, on est fleur bleue, on est trop gentil, on est bisounours. Pas du tout, on n'est pas bisounours. On est précisément les gens qui essayent d'apporter des solutions aux problèmes. Et justement, j'en terminerai là-dessus. Ça fait 2 mois qu'on devrait exercer le pouvoir pour régler ce genre de problème. 2 mois. Monsieur Macron, il peut dissoudre l'Assemblée tous les ans. S'il le fait au bout d'un an par rapport à l'élection alors qu'on a gagné, ça veut dire qu'on s'est fait voler 2 mois d'exercice du pouvoir sur 12. Ça veut dire qu'on s'est fait voler 1/6 de l'exercice du pouvoir, par exemple, pour régler ce genre de problème en augmentant les moyens pour la prévention. Vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, les problèmes démocratiques, comme le fait que nous ne soyons pas effectivement au pouvoir alors que nous avons gagné l'élection, vous ne trouvez pas que les problèmes démocratiques recoupent toutes les autres questions qui sont posées? J'ai parlé du SMIC. J'ai parlé de la réforme des retraites, j'ai parlé de la question de la prévention routière. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont traités dans une élection. Raison pour laquelle il faut, 1, qu'on exerce rapidement le pouvoir, 2, que si on ne l'exerce pas, on vire le principal responsable du non-exercice de notre pouvoir, en virant Emmanuel Macron avec l'article 68 de la Constitution et sa destitution, et puis 3, les amis qui me regardaient, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ne cédez pas le combat politique. Parce que si vous ne vous inscrivez pas sur les listes électorales, si vous ne vous inscrivez pas à l'endroit où vous pouvez aller voter, vous vous privez de la capacité de décision politique. Ce qui s'est passé dans l'élection législative, c'est que certes on a gagné, mais c'est que si on avait gagné encore plus largement, il serait encore plus difficile de nommer quelqu'un d'autre que Lucie Castets Première ministre. Donc vous voyez, continuez à vous inscrire sur les listes électorales, continuez le travail d'inscription des autres sur les listes électorales quand vous-même vous êtes inscrit. Si vous déménagez quelque part, inscrivez-vous sur les listes électorales. Vous faites l'EDF, le téléphone, vous faites le changement d'adresse à je sais pas quoi, et vous faites l'inscription sur les listes électorales. Ça devrait devenir un truc quotidien. On déménage, on s'inscrit sur les listes électorales. Parce que c'est ça l'exercice de notre pouvoir. Un bulletin de vote dans l'urne, c'est la possibilité de faire de la prévention plutôt que juste de la répression. C'est la possibilité d'avoir le SMIC à 1 600 € plutôt qu'à 1 400 € comme il est aujourd'hui. Et c'est la possibilité d'avoir la retraite à 60 ans plutôt qu'à 64 ans comme elle est aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Et puis voilà, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de la situation politique, parce que c'est toujours très utile, j'aime bien regarder vos commentaires. Et souvent, j'y apprends des choses aussi, donc n'hésitez pas, vraiment, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Et je vous dis à la semaine prochaine, et peut-être entre-temps, la petite vidéo sur l'article 68 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour pouvoir être informé quand elle sera publiée. Voilà, salut tout le monde, à bientôt.